Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu du sapin. Et je voulais déjà. Attendez, qu'est-ce qu'on a? Ça n'a pas marché. On va faire autrement là. Parce que là en ce moment, c'est la période où le sapin il fait ça. Ça. Mince, ça marche pas. Là. Bon, en gros, le sapin, il est en train de sortir du pollen. Et là, tiens, ça y est. Quand vous le touchez, hop, vous avez une poudre comme ça. Donc moi, je l'ai coupé en haut, là. Je suis coupé la hanche qu'il y avait là, en gros, tout le long. Ouais. Et j'ai ramassé mes branches. Et donc, je voulais savoir... Qu'est-ce que vous... Vous faites des branches comme ça qui sont vivantes. Et qu'est-ce que vous faites de vos branches mortes? Donc, moi j'ai trois tas. Du coup, je vais vous poser un peu ma solution, c'est un peu le but des vidéos. Donc j'ai un tas avec les petites branches mortes. Un tas avec les branches vivantes. Et un tas avec les grosses branches mortes. Grosse, c'est un grand bois. Ces deux tas-là, broyeur. Et ce tas-là, il y a le barbecue à côté, donc vous l'aurez deviné. En gros, on se met une ou deux bûches dans le barbecue et on met une petite poignée de ces branches-là dedans. Ça s'enflamme un peu. Voilà, c'est un peu plus compliqué, pas plus simple, pas plus compliqué. Voilà, donc moi je voulais savoir un peu qu'est-ce que vous en faites. Donc moi je les broie et après bah, ça finit dans le potager. Voilà. Merci à tous ceux qui auront vu la vidéo. Merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires et tout tralala. Et j'espère que les personnes étaient trop touchées par la tempête qu'on a en ce moment. Et voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Allez, bye bye. Merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires et tout tralala. Bye.